Il s'invite aujourd'hui à Dortmund, des conditions de jeu donc qui s'annoncent idéales au BVB Stadion Dortmund. Un commentaire de ce match, toujours prêt, Hervé Matou. Je suis sûr que vous allez être bon. Nous allons assister aujourd'hui à un match de groupe de l'UEFA Champions League. Le Borussia Dortmund face à l'Ajax Amsterdam. Deux équipes qui ont bien débuté la compétition lors de la première journée en s'imposant. Autant dire que celle qui gagnera aujourd'hui, s'il y en a une, aura déjà un bon départ dans l'optique de la qualification. Laisse découvrir la composition de cette équipe du Borussia Dortmund. Équipe qui va évoluer aujourd'hui en 4-5-1, une seule pointe. Je vous laisse découvrir la composition de l'équipe visiteuse. Le dispositif est un 4-3-3. Avec deux ailiers, a priori. Ce match du groupe de Champions League qui débute à l'instant. Zantalic, Berguis, et ça va s'arrêter là, très beau geste défensif. Oh, que c'est bien donné ça. Ouais, ça profite au Borussia Dortmund, l'arbitre a fait signe de jouer. Il est bien placé, il peut centrer. Julian Brandt, reprise magnifique. Magnifique but, une reprise parfaitement exécutée. D'abord ce centre parfaitement donné, ensuite il reste bien debout malgré la pression de la défense. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Ouais, bien joué le défenseur. Martinez. Steven Berguis. Non, elle est interceptée cette passe. Oui, avantage pour le Borussia Dortmund, bien arbitré. Pas de souci pour le gardien. Ouais, il est bien tiré le corner là. Le gardien qui repousse, attention. Le corner qui sera dégagé. Allez, il faut centrer. Julian Brandt. Il faut trouver une option disponible. C'est sans problème pour le gardien. Un public est furieux, hein, qui réclame le penalty. Marco Reus, la frappe. Ouais, bonne intervention, assez autoritaire. Et il y a des ballons comme ça qu'il faut négocier sérieusement. Le corner, le ballon qui arrive au point de penalty. La tête, pas cadré, mais alors pas du tout.
Sébastien Haller. Oh, personne ne peut l'arrêter, il est passé. Ouais, bien joué dans les buts. Le face-à-face remporté, c'était vraiment dangereux. Alors on voit cette action avec ce ballon qui n'a pas franchi la ligne. Hein. C'était assez flagrant en vitesse réelle. Au moins on en est sûr. Et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Corner qui ne m'a rien donné. Sébastien Haller, quelle occasion manquée. Ah c'est bête, hein. Ça aurait complètement relancé ce match. Ballon par-dessus. Hasard. Le ballon qui part au deuxième poteau. Non, c'est pas le bon choix. C'est pas le bon choix de tenter sa chance dans un angle si fermé. Il a été bien placé pour intercepter cette passe. Ouais, un bon ballon d'attaque. Allez, oui, il va y aller. Oh, quelle énorme occasion! Quelle énorme occasion de marquer et surtout quelle énorme occasion de mettre l'équipe à l'abri. Toujours un seul but d'avance. C'est une touche pour le Borussia Dortmund. Elle a du mal, hein, l'équipe locale, en ce qui concerne la possession du ballon. Elle a été capable, hein, cette équipe, de se créer des occasions et de les mettre au fond. À elle de préserver son avance maintenant. Il porte le ballon. Reiss. Oh, le but, oui! Elle mérite d'être là au bon moment, c'est ce qu'on lui demande. Et les voici donc avec deux buts d'avance, 2-0. Steven Bergwijs. S'était mis en position, mais il envoie ce ballon en sortie de but. Witzel. Marco Reus qui continue. Emre Can. Marco Reus. Oh, le ballon de but là pour Reus. Le défenseur qui repousse finalement le danger. Ils ont eu chaud, hein. On va peut-être assister à une contre-attaque. Oui, bon, ben, oubliez ce que je viens de dire. Et il continue tout seul. Thorgan Hazard. Et le ballon qui change de camp. Le bon ballon en profondeur. Il cherche la solution. Allez, l'occasion peut-être pour Dortmund. Attention. Le ballon qui est dévié sur le poteau. Ouais, l'arrêt du gardien, sans souci. Steven Bergwijs. L'arbitre qui siffle la fin des 45 premières minutes. 2-0 au tableau d'affichage.
Voilà, à l'instant même. Donc le second acte de ce match de groupe de Ligue des Champions qui vient d'être donné. Berguis. C'est assez dégagé devant Anthony. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. Ah, beaucoup d'assurance hein, dans son geste. Ce ballon qui est intercepté. Julian Brandt. Ouais, il y a des options dans la surface. Emre Can. Il avait tout compris là, le défenseur, bien vu. Contre-attaque peut-être. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Royce. Sébastien Haller. Dusan Tadic. Le ballon qui va revenir à l'adversaire. Mahmoud Dahoud. Marco Reus. On cherche une solution. Bon, le défenseur intervient au dernier moment. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Reus. Julian Brandt. Il va y aller. Oh, l'occasion qui se termine de manière assez étrange dans les bras. Alors qu'on a le sentiment qu'il y avait moyen de marquer. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Ouais, pas très bien joué ce contre. Ça a été trop lent et l'adversaire a le ballon désormais. Julian Brandt. Emre Can. Ah non, le ballon est perdu. Dusan Tadic. Là, il est blind. Très bonne anticipation sur ce ballon. Ah, c'est sorti, ce sera une touche. Emre Can. Avec Witzel. Marco Reus. Mahmoud Dahoud. Et il gagne ce duel, il va repartir avec le ballon. Oh, qui s'est levé, hors jeu, oui. La passe a été donnée trop tôt. Il n'a pas laissé le temps de bien se replacer. Marco Reus. Mahmoud Dahoud. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Oh, il était temps là. Il était temps. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon. Faute, hein. L'attaque qui a été enrayée. Par un coup franc qui est joué court. Ouais, il est bien placé pour centrer. On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire.
Elle s'infiltre, attention. Le ballon qui revient dans l'axe. Non, non, ça ne passe pas. Emre Can. Il va falloir s'imposer sur ce centre de Marco Reus. C'est un petit peu brouillon en défense. Hein. Il est mal dégagé ce ballon. Mahmoud Daoud. Reus. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Reprise magnifique. Magnifique but, une reprise parfaitement exécutée. Pas de réussite parce qu'il y a un premier arrêt qui est pas mal, mais ça n'a pas assez suivi défensivement. Le 3-0, toujours pas de réaction en face. Seulement une minute de temps additionnel en plus, indique l'arbitre. Le coup de sifflet final à l'instant et l'Ajax qui a souffert, qui doit s'incliner. C'est une défaite qui va faire mal. Une déroute, hein. Plus qu'une défaite. Hein.